premier grand rendez-vous de l'année 2024 à l'A Saint-Omer Golf Club, le Pas-de-Calais Paragolf Open. C'est devenu au fil des années l'un des tournois référence du circuit EDGA comptant pour le ranking mondial. Pour sa 10e édition, l'Open aura une toute autre saveur. 2024 verra Saint-Omer comme théâtre de l'Open de France Paragolf, promettant ainsi un spectacle mettant en scène les meilleurs joueurs français face à ce parcours exceptionnel. Ils seront 70 joueurs de 15 nationalités à participer au tournoi dans différentes catégories selon leur handicap. Pour créer un lien fort avec le Hauts-de-France Pas-de-Calais Golf Open, étiquette Alps Tour, le paragolfeur vainqueur sera invité à disputer l'Open avec les meilleurs joueurs professionnels du circuit en septembre prochain, comme ce fut le cas de Manuel de los Santos en 2023. Ce dernier remet d'ailleurs son titre en jeu. En ouverture du tournoi, fut organisée une initiation par les joueurs paragolf à 50 enfants du collège de la Morigny à Saint-Omer pour les sensibiliser à la fois au handicap, mais également à la pratique du golf. Merci au département du Pas-de-Calais pour aider à l'organisation de ces initiatives. Premier tour sous le soleil, après plusieurs éditions sous la pluie et le vent, 2024 commence avec des conditions idéales, permettant à deux joueurs de s'échapper ex aequo en tête avec moins 2, à 9 coups du 3e sur le podium. Tranquille pour moi, j'ai eu quelques difficultés au putting. J'avais pas de putting sur des par 5 que j'ai touché en 2, mais en grosso modo, j'ai bien joué, je termine moins 2. Je m'étais préparé pour cette compétition, c'est ma deuxième fois que je joue sur ce parcours. C'était un peu difficile dû à mes blessures au niveau du genou, mais ça va. Au niveau du niveau de jeu, le golf, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas un endroit où c'est facile, il n'y a pas un endroit où c'est plus difficile. Quand c'est ta semaine, tu scores, et quand c'est pas ta semaine, tu ne peux pas scorer. It's good. I mean, the course is tricky. It's very hilly. I'm glad I'm in a buggy. But you know, it's tough to get a score going. There's a lot of holes which are up, down. You have to adjust one club because it's so far uphill with the wind on top of that. It's tricky. But I think if you can find the fairways, and some fairways are tough to find, but if you can find them, then you make it a little bit easier for yourself. But yeah, it was a good day. But this year it's fantastic. The greens are rolling really nice, which when you're in a tournament, you want to be putting on good greens. So it's good. Même salle, mais ambiance différente pour ce second tour aux aires d'automne, avec une pluie battante qui ne rappelle que trop fortement les éditions précédentes. Cette pluie qui laissera néanmoins la place au soleil sur la fin de journée verra briller un irréductible Issa Enlareb qui, pour sa seconde venue sur le parcours de l'A Saint-Omer Golf Club, signe une magnifique carte de 5 sous le par, emportant ainsi cette édition du Pas-de-Calais Paragolf Open 2024. Quand on a passé les deuxièmes 9, je menais de 2 points, j'ai essayé de maintenir jusqu'à la fin. Je termine moins 5, j'ai bien joué, je suis content que ce soit passé. Je me suis entraîné pour ce tournoi, je me suis préparé pour ce tournoi et c'est une victoire, je ne vais pas dire méritée parce que le golf, on ne sait jamais, mais c'était ma semaine. Bravo également à Vincent Elie qui, en tant que premier français, est sacré champion de France 2024 pour la seconde fois sur ce golf tout particulier pour lui avec un score cumulé de 157. Alors, le premier jour, ça a été un petit peu difficile. Je galérais un petit peu sur le green. Je manquais un petit peu de réussite. J'avais un petit peu de mal à trouver la vitesse sur le green. Et ensuite, j'avais des fois un peu de mal à faire des bons choix également. Et ensuite, au deuxième jour, ça s'est beaucoup mieux passé. Il suffit d'en tirer les bonnes leçons en fait, par rapport au premier tour. Et puis ça m'a permis justement d'être bien relâché, puis ensuite surtout de bien garder la patience. Voici le podium en stroke play brut. Victoire d'Issa Enlareb en 139, suivi de Brad Smith avec un score de 145 et du vainqueur de l'édition précédente, Manuel de los Santos, avec un score de 154. En stroke play net, victoire de Mathieu Lebon avec un score de 145, suivi de Johnny Ray avec un score de 149 et de Matthew Gamble avec 152. En Stableford, victoire du français Nicolas Grossia. Rendez-vous l'année prochaine pour la 11e édition du Pas-de-Calais Paragolf Open et plus rapidement pour le Hauts-de-France Pas-de-Calais Golf Open qui se tiendra du 12 au 14 septembre, tournoi double étiquette Alps Tour et Ladies European Tour Access Series. Merci à tous les partenaires, sans qui l'organisation d'un tel événement sportif
ne pourrait jamais avoir lieu.